Commencer par dire, vous savez, quelqu'un a parlé de définir le cadre. Quand on parle de justice transitionnelle, il y a des contours, il y a un cadre, il y a peut-être des cadres aussi. Si aujourd'hui un État décide, pour faire face aux exactions du passé, procéder passer par la justice transitionnelle, la communauté internationale va s'y intéresser. L'ONU, par exemple, s'y intéresse de plus en plus. Au commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme, il y a un département qui s'en occupe. Donc il y a vraiment un cadre qu'il faut respecter. Même si chaque transition a toujours été unique, parce qu'évidemment, chaque État a un environnement sociopolitique particulier, a une histoire particulière aussi. Voyez-vous ? Donc, de ce que j'ai entendu, effectivement, les uns et les autres relèvent des éléments qui appartiennent à la justice transitionnelle. J'aimerais quand même rappeler en fait la source, même si on parle de temps en temps de l'Afrique du Sud, mais en réalité ça a pris de l'ampleur avec l'Afrique du Sud. Je vais me permettre vraiment rapidement de rappeler que dans sa forme moderne, la justice transitionnelle est bien née en Argentine. Vous savez, après la dictature des généraux, les années 70, Raoul Alfonsine, le président démocrate qui arrive au pouvoir en 83, se trouve devant un dilemme. En tant qu'État qui veut aller dans la voie démocratique, est-ce qu'il faut que l'on fasse fi des exactions commises contre certains, beaucoup d'Argentins d'ailleurs? Est-ce qu'il faut oublier le passé ou plutôt rendre justice? Bon, ça c'est le premier élément en quelque sorte de l'alternative. Le second élément de l'alternative, alors, mais si jamais nous jugeons les gens qui ont commis ces crimes-là, en sachant que pendant cette période de transition, le pouvoir est encore fragile, et que dans l'administration, nous avons encore des gens qui ont participé à l'ancien régime. L'armée et les forces de l'ordre également sont peuplées des gens qui ont participé à l'ancien régime. Est-ce que nous ne pourrons pas mettre à ce moment-là la démocratie en danger? Voilà le problème qui se pose et qui peut se poser au Congo également, parce que la transition, vous n'allez pas vous dire, bon, écoutez, on oublie ce qui s'est passé et nous allons en avant, non. Parce que là, vous aurez un pays toujours divisé parce que les victimes auront besoin que justice soit rendue, et c'est de leur droit. Mais s'il faudra aller dans une espèce aussi de chasse aux sorcières, où tous ceux qui ont fait partie du régime antécédent, ancien, soient jugés. Voilà, ce sont des questions-là qui se posent, ce qui fait que pour la justice transitionnelle, il y a des outils, ce que l'on considère comme les piliers de la justice transitionnelle, tel que ça s'est passé, que ce soit mais pratiquement dans tous les continents, Donc, généralement, vous avez, par exemple, un outil tel que les poursuites judiciaires. Les auteurs de crimes de génocide, de crimes de masse, généralement, sont jugés. Ont donc des peines pénales. Ça peut être des juridictions nationales ou internationales. Ça peut aussi être des juridictions internationalisées. Donc, eux sont jugés. Il n'y a pas à ne pas les juger. D'ailleurs, ça s'est passé en Afrique du Sud. Ce qui s'est passé, c'est que malheureusement, on a échangé en quelque sorte la vérité à l'amnistie ou à la. Et ça s'est passé il y a en 95-96. La communauté internationale n'avait pas encore atteint le niveau qu'elle a maintenant. Où c'est vraiment la lutte contre l'impunité. L'amnistie, par exemple, ça n'est pas du tout admis pour les crimes de masse. Donc il y a ceux qui ont dit. Ça a été dit aussi par M. Bacala et d'autres aussi, je pense. Les donneurs d'ordre, mais ceux qui ont pris vraiment les décisions, et aussi certains exécutants, ceux qui pouvaient ne pas exécuter, ceux-là doivent passer par la justice pénale, forcément. Et après, il y a aussi, à part donc la justice pénale, il y a ce que l'on appelle le comité vérité, les commissions vérité. Où il faut que l'on dise certaines choses, parce qu'il y a des gens qui ont perdu des personnes, il y a des gens qui ne savent même pas où sont leurs. Et si vous voulez vraiment aller vers la démocratie, il faut que ces gens-là aussi sachent ce qui est arrivé à leur personne, à leur famille. Il faut qu'eux aient aussi
les membres de famille soient réhabilités dans leurs droits, dans leur dignité. Et ça, c'est en disant la vérité. Et puis, on pourra voir si ce sont parfois des petits règlements de compte. On peut voir dans quelle mesure, à un certain niveau, certaines personnes peuvent, par exemple, dire, au Rwanda, par exemple, pour certains délits, eh bien, les gens ont fait, par exemple, des espèces de travaux, des travaux forcés ou manuels, en fait, des travaux publics. Hein. D'ailleurs, ce qui a fait que beaucoup, le Rwanda a beaucoup utilisé des gens qu'on a versés dans le travail comme ça. Donc, il y a ces commissions vérité-réconciliation. Dans ces comités vérité-réconciliation, eh bien, cette commission a souvent la mission de chercher les causes du conflit. Qu'est-ce qui a fait qu'on en arrive là? Donc, une fois qu'on connaît, qu'on sait les causes, on peut, à ce moment-là, essayer de trouver des solutions. C'est aussi, dans le rapport qui est souvent rédigé à la fin, c'est de donner des recommandations. Donc, réparation, de quel type? Financière, ça peut se faire. Hein. Réparation financière, ça peut se faire, mais également des accompagnements, je ne sais pas, psychosociaux. Il y a les restitutions aussi, parce qu'il y a des victimes qui ont perdu des biens, par exemple. Il faut aussi voir dans quelle mesure on peut leur restituer leurs biens. Mais vraiment qu'ils retrouvent leurs droits d'avant. Ça, ce sont des obligations. Tout comme aussi, il peut y avoir des commémorations, il peut avoir aussi pour le pouvoir en place, démocratique en place, il faut qu'il y ait des actes aussi qui fassent, par exemple, qu'on rende hommage aux gens qui sont partis à cause de la dictature. Donc, on a toutes ces choses-là qu'il faut voir. Et quoi d'autre? Je crois qu'en fait, il faut qu'on reste quand même dans ce cadre-là. Ça a été dit par les uns et les autres. Mais une fois de plus, il faut que ça soit dans un cadre de justice transitionnelle. Voilà. J'en ai terminé. Pour d'avoir pris le tour des autres, parce que justement, la justice dont on parle justement de ce genre de choses. Alors, je me présente, je suis Éric Ponto, avocat à Paris. Je suis venu à cette table ronde parce que le thème m'interpellait, le thème de la justice m'interpellait, mais j'ai une réserve sur la justice transitionnelle. Je sais que c'est un concept qui a fait beaucoup, qui a intéressé beaucoup de chercheurs après l'expérience d'Afrique du Sud. Je ne sais pas si on en a tiré les bilans, mais je considère que nous n'avons pas au Congo besoin d'une justice transitionnelle, au sens où elle est entendue par les chercheurs. Je veux dire que la justice transitionnelle, ce n'est pas une justice qui vient après une transition politique. La justice transitionnelle est entendue comme un élément particulier pour restaurer la paix et la démocratie. Hein? Au sens où, effectivement, elle a été appliquée en Afrique du Sud. Donc, je voudrais le préciser pour que... Et d'ailleurs, le débat est un peu empoisonné par cette affaire de conquête du pouvoir politique, chasser Sassou, et appliquer une justice transitionnelle. Les deux questions sont totalement différentes. Je veux dire par là que, en tant que thème, en tant que table ronde thématique, nous devons chercher à savoir ce que nous ferons après le départ de Sassou. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Ça a été dit ici avant moi, il faut réparer les injustices qui ont été commises. Elles sont de plusieurs sortes. Il y a des crimes de sang, des crimes économiques, des crimes environnementaux. Il faudra réparer tout ceci. Et ce sur quoi j'insiste, sur lequel mes confrères qui m'ont précédé ont également dit un certain nombre de choses, c'est que il faut former des magistrats capables de rendre justice. Parce que malheureusement, ce n'est pas une critique, hein, c'est un fait, c'est un constat. Malheureusement, ceux qui exercent aujourd'hui dans le contexte congolais ne le sont pas à la lecture des décisions qu'ils rendent,
et à la à l'examen de leur pratique. J'ai déjà eu l'occasion de dire que il manque à nos magistrats une formation et une déontologie. Un magistrat ne rend pas une décision pour faire plaisir à X ou à Y. La décision doit être conforme à des règles. Et donc, former des magistrats doit être une préoccupation pour cette table ronde. Interpeller des avocats capables de défendre les droits humains, défendre les crimes économiques, doit être une préoccupation pour nous. Amasser un certain nombre d'éléments, c'est-à-dire documenter les faits, doit également être une préoccupation pour cette table ronde. Alors, pour me résumer et ne pas être long, cette table ronde doit être une espèce de laboratoire pour les procès de demain, parce qu'il y en aura. Parce qu'il faudra restaurer, il faudra réparer, remettre, rétablir ce qui, malheureusement, ont subi et trop longtemps subi. Voilà l'observation que j'avais à faire. Voilà, je m'appelle Michel Nsangou. Je suis le président de l'association de solidarité aux victimes de guerre du Congo-Brazzaville, une association qui a été créée en France depuis 2009, qui a été créée directement par les personnes qui ont survécu à ces conflits qu'on a connus au Congo, dans le seul but d'apporter assistance aux victimes et de défendre les droits des victimes de toutes les guerres qu'on a connues. Si on peut parler de guerre civile, mais nous on dira que ce sont des guerres contre les civils au Congo-Brazzaville, qui sont, entre parenthèses, des coups d'état de M. Sassou Nguesso. J'allais peut-être pas parler parce que je n'ai pas l'habitude de parler souvent, et surtout que je vais rarement dans des réunions politiques parce que nous sommes une association civile, la société civile, nous représentons toutes les victimes, alors quand on se mélange entre politique et association, tout ça, ça fait la cacophonie. Surtout que nous avons eu le courage de vous dire souvent que depuis un certain temps, on avait vite compris que au Congo, s'il y a l'impunité, nous sommes d'abord nous-mêmes victimes et responsables d'abord. Parce que nous avons beaucoup toléré la naïveté de ne pas dénoncer les choses que M. Sassou Nguesso fait avec tous ces crimes qu'il fait au pays. Toute la classe politique, même les religieux, y compris même nous-mêmes les victimes, nous n'avons pas l'habitude de dire la vérité en face de nous. Alors que cette culture, nous l'avons déjà oubliée, le Congolais qu'on respectait avant est devenu inhumain. Maintenant on s'est dit, non. Pour qu'on arrive au moins à ça, il faudra qu'on brise le silence. Je vous prendrai à témoin que l'association depuis 2013 avait engagé des poursuites judiciaires devant le tribunal de grande instance à Paris par le pôle financier et génocide ici. Et en 2016, nous avons saisi la Cour pénale internationale, dont il y a 4 ou 5 mois, nous avons reçu le courrier de Madame Soudan, qui est la procureure générale de la Cour pénale. En passant par la Belgique, qui a également répondu, ils ont dit que vraiment, la Belgique n'a pas compétence, parce qu'il y a tellement trop de pays qui sont cités dedans, y compris la France. Ils se sont dit, si vous pouvez vous lier dans le dossier de disparus de but, dont le juge avait été déjà désigné au niveau du parquet de Bruxelles, ils ont donc donné les coordonnées pour qu'on puisse rejoindre. Au niveau de Paris, je préfère dire la vérité parce que, non pas devant vous, mais parce que la caméra est là, pour parler aux Congolais, pour qu'ils sachent qu'est-ce qui se passe et pourquoi ça bloque et qui est le responsable, pourquoi ça retarde. J'irai droit au but pour vous dire que au niveau du parquet de Paris, le pôle génocide a rejeté la plainte pendant deux fois
pour des raisons entre guillemets du statut et le manque de mandat des victimes. Nous avons tout fait, puisque la situation est représentée au pays. 65 personnes ont fait un mandat collectif depuis le pays. Ils ont fait un rapport de travail d'identification qu'ils ont pu faire pour voir des charniers ou patrouilles, des tombes pour identifier le lieu d'abandon, des corps, des restes de victimes. Et à partir d'ici, il y a un bon nombre de victimes qui sont présentes, qui ont aussi porté plainte, qui sont dans l'association. Donc, il ne reste qu'à recolliger ce que le tribunal nous a exigé pour qu'on puisse repartir devant la justice. Pour dire que la plainte elle-même ne fait aucun débat. Parce qu'on ne peut pas dire si la plainte n'a pas été dénoncée ou bien plutôt critiquée. On nous parle seulement du statut parenthèse d'endroit qu'il faut-il corriger et les mandats. On va ramener les mandats que cherchent les magistrats. Mais nous avons connu des blocages au niveau des avocats. Malheureusement, j'ai trouvé que deux avocats étaient, se sont déjà partis. Je parle tout seul alors que je voulais qu'ils soient là. Le problème du Congo, l'ennemi du Congo, c'est lui-même l'ennemi congolais. Et à un certain moment, je crois que mon frère Mayuki m'a dit ici que les efforts que je suis en train de faire, mais à un certain moment, on disait que M. Sangou tentait de piloter ce dossier-là seul alors que c'est un problème de la nation. Non. C'est parce que j'ai été déçu du comportement de certains avocats congolais. Je préfère citer le nom. Parce que ceux qui veulent me suivre diront que je parle sans preuve, mieux vous le dire. Vous vous rendez compte qu'en 2016, en 2015, le président Sassou arrive à Paris et il amène une délégation qui était derrière moi pour me chercher afin que je puisse rentrer en contact avec le président Sassou pour qu'on règle le problème à l'amiable. Comprenez? Nous nous sommes rencontrés avec Jean parce que quand j'ai écrit mes documents officiellement, j'ai publié y compris les coordonnées. Ils m'ont donc contacté avec le téléphone. J'ai fixé un rendez-vous à la gare de la Défense parce qu'ils étaient dans le train quand ils m'ont appelé. J'arrive, je vois la délégation qui me dit « Ah, M. Sangou, ça tombe bien parce que vraiment, le président veut vous voir. » Je dis « Quel président ?»« Oh, le président Sassou. » Je dis « Pour quelle raison ?»« Ah non, mais nous avons suivi que vous avez porté plainte, vous avez déposé le principe là. » Lui, il a dit « Il faudra qu'on règle le problème là parce qu'il ne comprend pas tout le temps qu'on vous envoie des gens. Vous les rejetez, lui il a des doutes, il dit qu'il ne connaît pas un Congolais qui peut refuser de l'argent, il vous attend donc. On sort d'ici, on parle des taxis, pour qu'on parle peut-être. Alors, je dis à ces gens-là, je dis, ce que je veux vous dire ici, vous n'aurez pas le courage d'aller le dire. Mais si vous êtes franc, allez lui dire que M. Sangou a travaillé 7 ans avec vous à la présidence, mais j'étais qu'un pauvre chauffeur. Donc je n'attends pas un poste ministériel ni quelconque d'autre. Ce qu'on tentait de faire, on ne le fait pas pour qu'on puisse gagner de l'argent dessus sur un dos de cadavre. Allez lui dire, je ne viendrai pas parce que je ne vendrai jamais mon âme au diable. Allez lui dire ça. Mais donnez-moi vos coordonnées. Comme nous sommes une association, je vais appeler les membres. S'ils acceptent de venir, je vous tiendrai au courant. En tout cas, il faudrait que j'appelle aussi l'avocat. Parce que nous sommes une association qui est structurée et l'affaire est connue de tout le monde. Donc on s'est partagé les coordonnées avec ces deux personnes. J'arrive, j'appelle le ministre Maleka, qui m'a répondu, il me dit, mais Michel, vraiment, ça c'est eux qui ne vont pas te laisser parce que tu as de gros dossiers, mais tu as bien fait de les envoyer balader. Donc j'appelle le maître Nkunku, maître Nkunku me dit, viens vite au cabinet. Il me reçoit, il me dit, qu'est-ce qui se passe, monsieur? Je dis, voilà. Vous êtes avocat. Si cette affaire-là, je dépose ça devant la justice, je n'ai pas de preuves, ils vont dire que tu n'as pas de preuves parce que je ne peux pas accuser des gens. Vous qui êtes avocat, je vous donne les numéros. Appelle ces gens-là, ils sont encore là. Parce que le président veut me voir.
pour qu'on puisse régler le problème là une bonne fois. Non pas aller avec là, mais pour qu'au moins vous soyez, parce que vous êtes avocat, devant la justice, les gens vont croire. Ils me disent que je peux les appeler. Donc il appuie son téléphone, on appelle, et on tombe sur le Kiki qui est qui Denis Christel. Maître Nkunku se présente, voilà. Je suis Maître Nkunku, l'avocat de M. Nsambo. Je dis non, l'avocat de l'association. Ils reprennent, ils disent voilà, l'avocat de l'association, nous voulons voir à qui j'ai l'honneur de dire, c'est Christel Denis Sassou. Il dit mais vous avez envoyé le directeur de M. Nsambo, pour quelles raisons? Il dit ah, s'il est là, ça tombe bien. Attendez, je passe papa. Et après, il revient, il dit non. Le président dit, M. Sangou n'a qu'à venir avec les avocats. Si, avec tous les avocats, venez. Vous vous rendez compte? Ce que je suis en train de dire est très grave, parce que c'est bien de parler. Mais si on ne peut pas vraiment faire quelque chose, d'aller dans les actions vraiment et du tout, on ne pourra pas rien faire parce que le niveau de Paris, la place de Paris est polie. On ne sait pas qui faut faire confiance. Avec qui faut faire confiance. Tu as confiance en moi, moi. Oui, merci beaucoup. Alors, Monsieur Denis Christel, parce que tout le monde était là avec le Kemba, il a parlé. Maître Nkunku dit, non, moi, je ne peux pas décider la place de M. Sangou, c'est à lui de décider s'il peut venir ou pas, je vous le passe. Christelle, me présente d'abord Papa Sangou, bonjour, avec tous les baratins. Non, papa, vraiment, ce n'est pas la peine de retirer le dossier, on va régler le problème, même si devant la justice, on va toujours vous donner de l'argent, mieux vous prendre maintenant. Alors, j'ai dit à Christelle, j'ai dit à vos frères qui sont venus me voir là, que j'ai croisé, que je ne viendrai jamais parce que je ne vendrai jamais mon âme au diable. Et sachez-le, que l'association qui a déposé plainte au niveau de Paris a élaboré le projet portant sur exhumation et rapatriement des corps. Ça, nous allons le faire, il y aura une délégation qui va descendre dans votre ville. On n'a même pas le temps de vous demander la permission parce que vous êtes le premier coupable de tous ces crimes-là. Donc, au moment où je vous parle, j'enverrai personne venir vous voir. Aucun avocat ne viendra vous voir à mon nom. Vous avez compris. Donc, on s'est terminé là. Et dans le cabinet, on était quatre, deux avocats. Il y avait deux avocats et moi, donc nous étions trois. Maître Nkunku va raccrocher, il me dit, c'est sérieux, il me dit, il faudra qu'on fasse quelque chose. Il dit, il faut qu'on parte vite à la TPI, à la Cour pénale ordinaire de Paris. Je dis, si on part à la TPI avec vous, on va vous accepter parce qu'on ne pourra pas vous accepter parce que vous n'êtes pas agréé là-bas. Pour déposer une plainte au niveau de l'association, au niveau de la Cour pénale, il faut que vous soyez un avocat agréé, reconnu là-bas. Il me dit, non, 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 je sais parler l'anglais, on va lui, peut-être même compris, on y va. Donc, j'ai dit, mais là, chez nous, je n'ai pas d'argent. Dans les caisses de la chasseur, on n'a pas assez d'argent. Il dit, non, non, M. Sangou, je vous prête de l'argent, on va aller. Donc, il a sorti au moins 500, pas sa carte plutôt, il a dépensé plus de 500 euros. Moi, au fond, c'était juste pour profiter de moi. On va directement, on arrive à la Cour pénale internationale. À l'accueil, on nous reçoit, on dit, non, on ne peut pas vous prendre. Il n'y a que le président Sangou, qui est le président de l'association, qui peut directement saisir madame la Cour pénale, plutôt la Cour pénale, mais pas un avocat qui n'est pas créé. Donc repartez, allez changer la tête de l'emplette et vous rendez. Donc, on reprend le train et Maître Nkunku me dit, Michel, prends-moi la photo avec la plainte. Donc il prend la plainte, il prend la plainte, il bondit comme ça, je prends la photo. Je lui ai pris la photo, j'ai dit, mais fais attention, cette plainte, on ne l'a pas acceptée, on ne l'a pas prise, on ne l'a pas déposée. Donc ne publie pas ça. Oh oui. On arrive à Paris, deux jours après, il publie. Mette au concours Michel Nsangou sur le chemin de la Cour pénale pour déposer la plainte. Et deux semaines après,
Kunku disparaît. Il bloque son téléphone, il ferme son cabinet. Pendant une année, il est parti. On ne le voyait plus. Vous vous rendez compte? Alors, j'ai été beaucoup touché. Pourquoi je le dis? Il est du poule. Et de ce quoi, avocat et pasteur pour les hommes de l'Église. Je me suis dit, cette affaire-là, je ne peux pas me taire. Une année après, il apparaît. Parce que j'avais publié la plainte, la nouvelle plainte que j'avais déposée au niveau de Paris. Et il passe chez Maître Nganga pour me dire, « Ah, il ne sait pas si M. Sango va m'accepter. Va se le voir parce que je voulais le voir. » Et Maître Nganga me dit, « Maître Nkunku qui veut te voir. » J'ai dit, « Mais je n'ai pas de problème avec lui. Donc, pour me voir, il faut qu'il passe par vous. » Mais il a mon numéro de téléphone, il n'a qu'à m'appeler. Vous voyez? Donc, il m'appelle, il a eu le courage de m'appeler pour me dire, « Vraiment, M. Sango, excuse-moi, j'ai été obligé de me cacher parce que j'avais reçu des menaces par le pouvoir. On voulait me tuer, donc j'étais parti pour me mettre à la brigade. » J'ai dit, « Attendez, mais l'avocat a le droit de défendre même le diable. Nous vous avons engagé comme avocat, on vous menace et vous ne nous informez pas. » Alors c'est pour dire que il est le même avec la même plainte parce qu'il avait le double. Il s'est servi des éléments de la plainte pour faire un livre. Vous vous rendez compte? C'est bien parce que les gens vont dire, ah, c'est bien ce qu'il a fait. Il en a publié parce que moi, je n'ai pas publié ça. Mais alors que je disais à tout le monde une fois, je crois que M. Kigoulou était là. J'avais dit, personne ne peut utiliser les images des victimes pour faire du commerce avec. Sinon, il serait poursuivi. Et la plainte elle-même qu'on avait dû pour parce que ce sont des plaintes qui sont volumineuses, qui fait plus de 500 et quelques pages, sera publiée parce que nous avons dit ça devant la justice pour dire les éléments de la plainte que nous déposons, ce sont les mêmes qu'on a déposés au niveau de la Cour pénale internationale, en Belgique, et on ira jusqu'aux États-Unis pour ça. C'est avec les mêmes éléments. Ce sera publié. Mais on s'est dit qu'on, d'abord, qu'on attende que la justice française déclare la plainte recevable pour qu'on puisse au moins publier la. Alors que je veux seulement demander à tout le monde ici, pourquoi ça ne marche pas, c'est d'abord nous en Afrique. Nous allons appeler tout le monde cette fois-ci pour aller déposer la plainte, mais cette fois-ci avec des banderoles, des victimes, de tous les cadavres qu'il a tués, parce que si on ne le fait pas, c'est comme si on devenait coupable, mais c'est comme si on ne veut pas que cette affaire-là soit à mon avis connue de tout le monde. Au niveau du parquet, si vous partez avec des banderoles, à la minute, la presse va descendre. La justice française veut seulement avoir ici, il y a un engouement et que si les gens en parlent. Parce qu'ils se sont dit, c'est pas tous les Français qui sont complices des crimes du pays, même s'il y a certains, qui sont impliqués dans la plainte. Donc, voilà pourquoi on s'est dit, merci pour tout ce que vous venez de faire. Vous avez vite compris qu'il n'y a que la justice et non pas les armes. Parce que même au Congo, ne comptez pas sur le sac de gens qui sont tout pour là. Quand vous dites la main, non, allez-y, faire ceci, ils vont vous dire, ah, Niama. Donc, évitez même de lancer des appels qui appellent au meurtre. Évitez ça. Sinon, c'est nous qui allons vous poursuivre. Il n'y a que la justice qui peut régler le problème du Congo. J'en ai terminé pour le moment. Bonjour et bonsoir, selon le temps où les gens vont visualiser cet élément. Les auditeurs, quand nous pensons que la presse est un véritable levier par lequel on peut faire passer plusieurs messages, tant du côté de la vérité et du côté aussi du mensonge. Je voulais, à titre d'introduction, si l'assistance peut bien me le permettre, solliciter une minute avant mon allocution, solliciter une minute de silence pour deux supports, à savoir le retour vers le divin créateur de l'univers d'un aigle, une valeur sûre pour le combat de l'installation de la démocratie au Congo.
homme de droit et de justice, homme d'État, un grand serviteur du Congo qui s'en est allé. Le 6 janvier dernier, je parlerai de Maître Mudile Aloïse Mudile Numa Massengo. Et le deuxième support serait pour tous les morts, connus, méconnus, héros et martyrs de la République de 1958 à nos jours. Pourquoi 1958 ? Vous conviendrez avec moi que cette date, c'est la date de la proclamation de l'institution qu'on appelle République du Congo. Et nous ne saurons pas aussi oublier les morts tombés sous ou pendant la période coloniale. Si cela est possible, une minute de silence. On se met debout sur vous. Je vous remercie. Et je voulais en même temps profiter pour témoigner les remerciements patriotiques à l'équipe des initiateurs de cette, disons-le, ambition politique, la mise en route d'une période de transition sans les sieurs Kanyi Doyo, tyran du Congo. Comme une des voies ou des pistes sorties de la culte de la crise multidimensionnelle que connaît notre République. Suite à cette invitation, et pour commencer mes propos, ajouter à l'ensemble ici réunis et aux téléspectateurs qui vont suivre cette émission, que je ne parlerai pas uniquement à mon nom personnel, mais au nom d'un concept qui a été mis en route à l'issue des événements du 4 mars 2012 et dont plusieurs ressources humaines sont présentes dans la salle, d'autres présentes dans différentes diasporas et au pays, qui ont contribué à l'émergence de ce concept qui s'appelle devoir de mémoire, le sang des martyrs et des héros réclame justice, vérité et réparation pour une nation réconciliée, qui se traduit littéralement par Nshimu Nimayela. Pour en connaître la définition, je tiens à remercier tous ceux qui nous ont accompagnés dans cette longue aventure qui date depuis 2012, depuis 2013. Et je voudrais inviter à ce que nous suivions un reportage. Si la modération peut nous mettre le reportage. On va avancer et puis on va faire une entracte. D'accord. Les propos. Nous voulons vous dire que ce concept, quand on analyse notre pays, j'ai écouté les uns et les autres parler
Pour le poète Ngamani, il a fait allusion à ce qui s'était dit à la conférence nationale en 1991. Et le doyen, enfin, Nyungwa qui a parlé des événements de 1959. Mais quand nous qui avons eu à réaliser beaucoup de découpage et de recoupage, il faudra, on peut diviser la période en deux phases. D'avant la conférence nationale de 1991 jusqu'à 1958. Et de 92 jusqu'à aujourd'hui. Et je ne veux pas faire ici l'exercice des plusieurs violences. Vous vous rappellerez que déjà à la création ou à l'installation de la République en 1958, il y avait une forme d'hybridation de justice qui s'était installée au pays. De qui venait-elle? Est-ce qu'elle venait des Occidentaux qui avaient érigé au Congo? Est-ce que venait-elle des Congos qui étaient sortis du royaume du Congo d'Yantotela, dont l'immigration a ramené dans l'actuel territoire du Congo? Est-ce que venait-elle des autres peuples qui, pour des raisons X, pour ou contre leur volonté, sont trouvés immigrés dans ce territoire? Voilà des questions. Nous pensons que une forme de syncrétisation de ces justices ont créé une justice pratiquement boiteuse. Et comme elle était boiteuse, ça nous a permis, nous sommes allés de 58 à nos jours, le politique a semblé prendre le dessus sur la justice qui devait être non pas féodée au pouvoir politique, mais plutôt un bras autonome ou indépendant. On peut citer quelques événements sous la période du président Youlou, avec les événements de 1959, qui sont pratiquement une conséquence du complot de la cession de pouvoir du président Fulbert Youlou. Et sous sa présidence, il y a eu un procès qu'on peut appeler le procès des communistes, dont certaines personnes sont retrouvées à la tête, dont la révolution de 1960, la soi-disant révolution de 13, 14, 15 août 1963. S'en est suivi ces assassinats. On parle de 3-0. Malheureusement, d'après les archives, il y a 4 personnes qui étaient tombées. Ils sont aujourd'hui passées dans de l'anonymat. Et nous parlerons, sous la présidence Alphonse Massamba Déba, nous parlerons du cas Ibaleko, dont certains reconnaissent beaucoup, et les fameux assassinats des 3 hauts cadres du Congo, Matsokota Lazare, Pouabou et Massouemi. Cela, d'après les archives que nous avons consultées, certes, beaucoup de choses ont été dites et ont été inscrites dans les archives, mais regret est de constater que la vérité historique n'a jamais été sue, sauf dans les officines où beaucoup de choses se trame. Nous en viendrons aux disparus issus, historiquement parlant, au mouvement sélectionnel du 31 juillet 1968, dont beaucoup qualifient de coup d'état militaire, avec la démission du président Alphonse Massamba Déba et l'ascension des militaires au pouvoir politique. S'en est suivi le cas du coup d'état mené par Bernard Colellas et bien d'autres. N'oublions pas le coup d'état de Kiganga, le mouvement insurrectionnel de février 72 et enfin
l'assassinat du président Marien Ngouabi, dont beaucoup croyaient que c'était le plafond. Mais malheureusement, après cet assassinat, il y a eu encore une mascarade. Donc, voyez-vous, et tout cela en passant, en arrivant jusqu'aux explosions du cinéma Star et à l'aéroport de Mayamaya, sans oublier l'avion de l'UTA qui avait dû sauter avec plusieurs citoyens congolais à l'intérieur. Comme dirait le doyen Tungamani, voilà la violence politique. Mais est-ce que la justice avait sa place au Congo? Est-ce que la justice était lue? Nous n'étions pas présents lors de cette assise à la Conférence nationale souveraine, mais fort heureusement, les archives nous sont parvenues depuis Moscou où nous étions basés. Et beaucoup d'archives, la commission assassinat avait siégé. Et il y a eu 5 à 6 actes qui avaient été adoptés, dont la révision historique de tous les procès politiques, la réparation, la remise des dépouilles mortelles aux familles, et tant bien d'autres. Et je crois que, au niveau de la modération, on pourra mettre à la disposition du public de 5 ou 6 actes. Oui, 5 ou 6 actes. Et vous comprendrez que nous qui étions des ayants droit, nous qui avons cru en la renaissance de ce Congo à l'issue de la Conférence nationale, nous sommes attelés et nous avons combattu pour que ces actes soient appliqués. Mais malheureusement, malgré le fait que dans un des documents, ou dans souvent le second acte, il est souvent écrit que l'acte a été applicable immédiat, affiché ou inscrit au journal officiel, et appliqué d'urgence et immédiatement sous la période de la transition. Qui trompe tant? Qui trompe tant? Est-ce les politiques qui continuent à tromper le peuple? Ou les ayants droit qui cherchent leurs parents et en fait une mascarade et vers la fin, rien ne se fait? Je suis bien partant pour qu'on arrive à écrire, qu'on arrive à penser. Mais si cela ça va, c'est pour encore rester une vingtaine d'années dans les archives, soit de la résistance ou de l'opposition. Excusez-moi, c'est encore une blessure que vous allez faire, c'est encore un couteau que vous allez mettre dans le cœur des ayants droit. Et plus jamais ça. La personne qui l'avait, d'après nos informations, la personne qui avait utilisé ce terme n'est plus de ce monde. Démocrate qu'il avait pensé être. Mais celui qui a voulu tirer les ficelles, qui s'est dit, je suis parti du pouvoir pacifiquement, mais je reviendrai par les armes. En revenant par les armes, donc voilà un peu, et il y a la seconde partie qui concernera de 91 à nos jours. On ne va pas les citer parce que tous nous sommes présents, mais même si beaucoup n'étaient pas au Congo, on voit ces événements et on a vécu ces événements-là. Non, il faut les citer, hein, parce que... Non, je parlerai des événements sous la transition. Et les événements de 93, de 98 et jusqu'à 2015. Qu'allons-nous faire de tout cela? Je me suis dit, ou nous nous sommes dit, au niveau du concept de voir de mémoire, pour faire pour, parce que le temps est parti, peut-être je reviendrai après, à l'instant T, de l'ascension jusqu'à l'expression de la dictature,
Parce que là, nous ne vivons plus de la dictature, nous vivons dans une forme de tyrannie. De l'instant de l'ascension jusqu'à la dictature, voilà, le Congo, nous rentrons dans le troisième millénaire avec des bras cassés. Que devons-nous faire au temps présent, pendant que le cul de sac, tout le monde y est, et l'opposition et la résistance intérieure, certains gouvernants, que je qualifie de médiocres et de cancres, parce qu'ils n'ont pas les coups de reconnaître leur faiblesse, que devons-nous faire pour se projeter dans l'avenir, afin d'éviter encore des jérémiades? Nous avons pensé qu'il faudra, de la projection 1, il faudra prendre du temps. En 91, quand les actes avaient été décidés, une fois parti de Mossou, quand je suis venu ici, j'avais même compris que même beaucoup de Congolais n'avaient même pas la quintessence de ces actes 95, 2012, 212, 213, 214, 215, 216. Et pourtant, c'est écrit. Nous pensons qu'il faut d'abord prendre du temps pour faire l'inventaire. Il faudra que les hommes de droit, et pas les politiques, hein, que les hommes de droit puissent d'abord s'asseoir, faire ce qu'on peut appeler un colloque, ou des universités, ou les états généraux de la justice au Congo. Parce que dès qu'interférence est politique, je ne vous cache pas, les divergences vont être alambiquées. Une fois que cela est fait, c'est à maintenant ces hommes de droit de faire des propositions et faire le distinguo entre le politique et l'homme de droit. Et pour finir, il faudra mettre à la disposition de cette justice, sera-t-elle hybride, sera-t-elle monocolore, ou sera-t-elle celle que l'Occident nous a amenée, ou celle dont les différents peuples, dont le peuple Congo, qui vient pour laver les mains, alors que les autres ne connaissent pas le sens du lavement de mains. Donc, voilà. Et il faudra mettre les moyens financiers conséquents à ces assises. Parce que, ou non, le problème de l'argent, ou comment on appelle ça, le problème du Madeso Bana, l'achat de conscience, parce que le gars qui est, il a dit, j'y suis, j'y reste, jusqu'à la fin de mes jours. Si vous en avez les couilles, venez m'enlever. Et je tiens à remercier, pour finir, je tiens à remercier l'impact de la diaspora combattante dans toutes les opérations aussi légères qui peuvent se faire depuis 2000, depuis un certain temps, parce que ces actions musclées, elles ont leur impact sur le terrain. Je ne veux pas abuser de votre temps, je vais finir par là. Je me permets de revenir vers vous pour conclure mes propos au nom du concept de devoir de mémoire, qui je crois que la rencontre d'aujourd'hui est un essai pour nous. Nous avons utilisé tous les médias sociaux pour parler et les médias panafricains. Au jour d'aujourd'hui, grand est notre joie qu'on nous donne cette tribune pour parler au nom de ce concept de devoir de mémoire. Et nous disons que nous y reviendrons pour apporter un devoir citoyen de réponse à un certain monsieur qui croit que le Congo n'est pas une dictature. Je vous remercie. Et un remerciement que nous faisons en direction de tous nos amis, tous nos camarades, effectivement, par rapport à l'expérience commune que nous sommes en train de faire, de repenser un pays et à ce qu'il va redevenir. Donc, nous avons travaillé sur les institutions. C'était quelque chose de très important par rapport à notre changement. Nous avons travaillé également sur le rôle de l'État. C'est une bonne chose. Et aujourd'hui, nous avons travaillé sur la justice et on s'est rendu compte que c'est un sujet qui est tellement vaste qu'il faudrait peut-être le faire en deux.
Alors donc, je ferai tout simplement une synthèse des grandes positions qui sont vues là. Mais avant tout, permettez-moi pendant une minute de vous refaire un peu le bilan, parce que nous avons des affaires à l'heure actuelle qui sont aux mains de la justice française. Pour vous dire tout simplement, on n'en a pas beaucoup parlé, mais la piste extérieure est peut-être une bonne piste, mais nous devons faire très attention. Affaire du Beach. Elle est à l'heure actuelle aux mains de la France, avec comme partie civile la FDIH, la FCD et l'Association des familles des disparus. Elle était initialement à Meaux. Elle a été transportée au pôle de Paris qui s'occupe donc exactement des crimes contre l'humanité. Sauf que la procédure, elle est bloquée. Ça fait depuis 2 ans. Le grand problème a été le jour où nous avons Mindengue en fait en tôle pendant 24 heures. Mais depuis, rien ne s'est passé. En discutant avec Maître Baudouin, qui est un des avocats sur la FDIH, il m'a tout simplement dit, lui c'est un grand avocat, un vieux avocat, il m'a tout simplement dit, dans ce genre d'affaires, n'oublie pas que la politique, malgré tout, a quelque chose à dire. Donc, pour ceux qui croient que nous avons, que la France est capable de prendre une décision par rapport au problème des disparus de Beach, je mets un grand point d'interrogation. Le deuxième problème, c'est le problème des biens mal acquis. Il est également, à l'heure actuelle, aux mains de la justice française. Seule partie civile de ce problème-là, Transparency. Aucune association congolaise, aucune association africaine n'est partie civile. À l'heure actuelle, pareil, ça fait depuis plusieurs années, ils ont toutes les preuves, le problème reste bloqué. Encore que dans le problème des biens mal acquis, on a l'impression que la grande partie de l'argent qui existe se trouve dans des paradis fiscaux, dans des branchements tellement opaques que nous avons beaucoup de mal, effectivement. Sauf que, juste là, la France n'a pas tellement bougé. Les seules fois où ce dossier bouge, j'ai l'impression que c'est un moment où les autorités françaises ont besoin plus ou moins de faire pression sur Sassou Nguesso. Donc là aussi, il y a un problème. Et en plus, se pose un problème de la rétrocession. Si jamais il y a un procès, si jamais nous gagnons le procès, à qui est-ce que le tribunal va reverser l'argent en question, les fonds en question? Problème de la rétrocession. Dernièrement, le Sénat français, en la personne de M. Sueur, a plus ou moins abordé le problème. Donc ça aussi, nous devons réfléchir. Parce que demain, s'il arrive que nous prenions le pouvoir, nous allons nous retrouver comme l'Issouba, avec les caisses vides. Comment est-ce que nous allons faire? Est-ce que tous ces milliards, je ne sais pas qui a parlé de 14 000 milliards tout à l'heure, alors, est-ce que ces 14 000 milliards, on va les laisser tomber? Avec quel argent nous allons pouvoir démarrer? Donc ça également, c'est un problème qui va venir à notre réflexion. Donc, c'est bien beau, les tribunaux extérieurs, mais les tribunaux extérieurs ne sont pas en dehors également de la loi des intérêts qui peuvent exister entre nations. Donc faisons attention. Les seuls qui peuvent vraiment donner la véritable justice, ce sont les Congolais. Mais encore faudrait-il, comme vous savez, qu'on prenne le pouvoir et qu'on installe la justice, une justice qui soit efficace. Et là, nous venons maintenant sur la synthèse. Alors, il y a deux grandes attitudes qui se sont libérées là. La première attitude, c'est l'attitude de ceux qui pensent effectivement que la justice en tant qu'instrument est suffisamment adéquate pour pouvoir résoudre notre problème. Il n'y a qu'à mettre effectivement les différents magistrats dans des situations beaucoup plus positives pour qu'on ne soit pas hors la loi et qu'on respecte tout simplement la justice pour pouvoir aller de l'avant. Mais il y a une autre tendance qui dit effectivement que nous avons raison de mettre une justice transitionnelle pour la simple raison que, je crois que c'est Kiwulu qui l'a dit, à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Nous allons passer théoriquement d'une société
qui était négative, hein, où le bilan est totalement négatif, à une société où nous pensons être une société de droit. Seulement, il existe, comme on dit, des nœuds gordiens qui sont là parce qu'il y a eu beaucoup de violence. Et le peuple ne peut nous accompagner parce que le nouveau mouvement qui va faire qu'on puisse avoir une nouvelle république doit être un vaste mouvement dans lequel le peuple doit donner son coup de main. Ce peuple, effectivement, ne peut venir avec nous que si nous arrivons à résoudre quelque part ce qui existe derrière la tête des gens. Parce que chacun a plus ou moins perdu un oncle, un enfant, etc. Donc nous sommes obligés d'avoir une justice exceptionnelle pendant la période de transition qui nous permet de faire la charnière entre les deux. Et par rapport à ces deux problèmes, là, je reprends ce que Miyayuko a eu à dire en disant que c'est l'ensemble des mesures, aussi bien judiciaires que non judiciaires, qui vont faire que cette confiance puisse renaître. En fait, ce que nous voulons faire ici, c'est d'une part voir quand même ce qui va se passer demain avec la justice, mais surtout arriver à mettre un instrument de justice pour gérer cette période de transition. Nous sommes obligés d'avoir une justice un peu particulière. Donc, pour la prochaine rencontre, parce que nous sommes obligés d'avoir une prochaine rencontre, il sera question de voir quelles sont les mesures que nous mettons en place justement pour favoriser une justice transitionnelle qui nous permette d'aller de la dictature à un état de droit. Nous n'avons pas eu le temps, étant donné que le sujet est très très vaste, mais prochainement il faut qu'on vienne avec une série de mesures. Moi j'ai les miennes aussi en tant qu'individu, donc une série de mesures. Mais dans ces mesures, pensez à une affaire. Sans parti civil, aucun problème judiciaire ne peut être réglé. Je vous rappelle, pour les biens mal acquis, nous avons cherché des gens pour être au niveau de la partie civile. Personne n'avait voulu. Je crois que j'ai des témoins ici qui peuvent dire effectivement, nous avons eu des réunions où on n'a pas eu des témoins. L'affaire nous a échappé parce que nous n'avions pas de témoins. Quel que soit ce que nous allons faire, les documents sont nécessaires, les parties civiles sont nécessaires. Et là, un grand travail demandé à la société civile pour pouvoir justement faire ce travail-là. Donc, le rendez-vous que je vous donne, encore une fois, nous remercions pour ce travail que nous sommes en train de faire en commun. Mais prochainement, nous sommes obligés d'avoir des mesures afin que nous ayons des choses palpables et justement pour étayer cette fameuse justice transitionnelle. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada.